Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis désolée pour ce petit retard. Je rentre tard, pas le temps, doucher, manger. Voilà, je pense à vous, je pense peut-être, Inch'Allah, bientôt faire un live. Ne vous inquiétez pas. Voilà, et donc comme demain c'est le Ramadan, donc je souhaite à tous les abonnés et aux non-abonnés, un très bon Ramadan, Inch'Allah Karim pour vous. Alors, je souhaite à toutes les personnes qui sont malades, Inch'Allah, qui guérissent, désolé, vous n'avez pas rigolé encore, hein, qui guérissent, et je souhaite, Inch'Allah, la santé, le bonheur, d'accord, et al-baraka. La baraka, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, travailler sans tricher et vous verrez la baraka. Parce que même, moi, je ne parle pas politique, je parle avec ce Ramadan, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire, travailler et pas se disputer, pas vous bagarrer, d'accord? Pas de jalousie, surtout la jalousie, le mauvais œil qui tue. D'accord? Éloignez-vous de plutôt de ces gens qui vous portent le malheur, qui sont jaloux. Je parle, la plupart, c'est les femmes. D'accord? Alors donc, éloignez-vous. Donc, la purification, vous ne pouvez pas la faire pendant le Ramadan. Vous pouvez faire le soir, mais le soir, c'est court. Alors, la purification, vous allez commencer à la nuit du 27. D'accord? On fera des lives, d'accord? Et je vous explique comment faire. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos, d'accord? Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille, d'accord? Et je souhaite à tous et à toutes, un bon Ramadan, Inch'Allah Karim, aux abonnés et aux non-abonnés. Donc, je vous laisse parce que là, j'ai fait mes petites ablutions et mes grandes ablutions. Et là, je vais me consacrer à lire le Coran, tout simplement. Je vous souhaite la santé, le bonheur et un bon Ramadan. Un gros bisou et à très bientôt. Prenez soin de vous.